غام <متصفيق> غام غام راكم معرضة صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس اليوم غادي نزيدو كاس مع اليسيا يفو مون نحكي لكم كيفاه تلاقيت معها اليسيا سي تفينيموريست ايه l'ai vu sur واحد الكوميدي كلاب وضحكتني فريمو بزاف كي مشيت عندها باش نقول لها بلي فريمون عجبني السبيكتاك تاعها وكاع جي ديكوفير بلي أليسيا تاو أنا سي تيون قلت لها صاحبتي أليسيا خير إن شاء الله قالت لي خويا أليسيا حكاية طويلة فو ما نحكيها لك قلت لها صبري أختي خاصك تجي البودكاست هذه حكاية تاع زيد كاس ديكو جات Elle nous a raconté un peu l'histoire de, de ce prénom, qu'elle oui. a le processus créatif qui fait ce blévlak, qui fait ce même. Comment elle personnellement, euh, elle a beaucoup changé même dans, dans son parcours. Comment ça a aussi impacté son écriture. Euh, vraiment, elle est passionnante, elle est incroyable, elle est euh, très très drôle. Euh, vraiment, rohutshuvu euh, Mais en attendant, on va le podcast. J'espère que me mettra en Raya, je vous parce qu'on va vous on vous et j'espère très bonne Non, Alicia. C'est vrai Ouais. Tu veux pas qu'on en je... parle Ouais, je veux même pas qu'on qu dise mon prénom. Non, non, on en parle pas Non. Et... Ah, pourquoi j'ai changé mon prénom Si, oh. tu peux, ah, mais qu'on ne qu qu dise pas mon prénom. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me, <laughs> me googler. Chautna. Les inspecteurs. <laughs> non, mais en <laughs> fait. <laughs> les inspecteurs. Du coup, tu es de l'Ouest Tu es originaire de l'Ouest, d'Algérie du, du tout. Non, c'est juste que j'imite bien. <laughs> ah, tu imites bien les <laughs> non, non, mais non. Du, du coup, tu es de quel. Euh... Alger. Alger. Ah, Alger. Ah, Alger. <laughs> bon Alger, c'est compliqué, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de... <laughs> D'inspecteurs. D'inspecteurs. Ouais. <laughs> en fait, ah, c'est pas Ma... la première fois que Ken tu me le dis. Le... C'est pas la première fois que tu me le dis, mais à chaque fois que tu me le dis, ça me tue de rien. Allez, est-ce que tu n'arrives pas à le concevoir <laughs> ou là la... Non, parce que je les imagine. Ouais. Parce que je sais qu'ils existent et ouais. je les imagine. Mais euh, je l'ai tellement vu. <laughs> Moi, il n'y a rien dans mon Insta euh, qui qui fait deviner euh, mon origine et mais euh, une fois j'ai fait une vidéo où je dis le Hassanet. khlat à dire c'est vrai pas mais non vraiment la, la poule la, la, la boîte de pondreuh t'a après je l'ai enfin voilà je mais pour te dire à quel point ça confirme ce que j'avais comme appréhension sur ça donc, donc ça veut dire que euh, tout le monde enfin les gens ils savaient que tu t'appelais Alicia Ouais. Mais par contre, le, une Alicia qui dit Hassanet. Hassanet. Ha, bien, ha, ha, bien prononcé. Ça veut dire que c'est pas Alicia. Mais non. <laughs> bah ben oui. Et ils t'ont dit quoi, les gens? Bah non, mais c'était des mecs euh, qui faisaient des commentaires et qui m'envoyaient des messages privés, nanana. Nan, euh, ah ouais, à ce euh, point. Ouais. Des insultes. Euh... Mais t'étais déjà Alicia à l'époque. Ah mais c'est récent hein, de la vidéo, c'était de l'année dernière. Ah. Oui, j'ai toujours commencé Alicia. Oui, mais je veux dire, mais. Et déjà, Alicia, c'est l'histoire de, de, ce, de ce pseudo. Lui-même, c'est aussi une autre histoire de protection. C'est parce que dans Uber, à chaque fois, il y avait mon vrai prénom. Et à chaque fois, les, les chauffeurs Uber, euh, ils étaient familiers. Ça, là, tout de suite. Il d'assolo parce que j'étais... Euh, bah, T'avais un prénom en présence algérienne. Il d'assolo. Il d'assolo tout le temps. Donc, euh, j'ai changé. Et après, j'en ai parlé avec mon pote. Et je lui ai dit, euh, à ton avis, quel prénom passe le mieux Il me fait l'air d'une antillaise. Alicia. <laughs> J'adore et du coup, <coughs> Alicia, en vrai, c'est mon prénom dans, dans l'application Uber. D'accord. Mm. Ah oui, mais c'est incroyable. J'avais le jour où tu me l'as dit, je me suis dit, waouh mm. et, et moi, pendant, enfin, je pensais juste que tu t'appelais Alicia, quoi. Genre. Euh... T'as deux prénoms, ouais, comme oui, on Oui, voilà, tous deux prénoms, exactement. Hein. Mm. 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 Et après, on en a discuté et. Et voilà, qui goûtait les inspecteurs ouais, ouais. L'inspecteur. inspecteurs. Les... En plus, C'est les C'est <laughs> les inspecteurs. <rire> <rire> et... <rire> Ah ouais, du coup, c'est, c'est, c'est une, une, pure création. Genre, il n'y a pas du tout de source de ce prénom avant, ou genre tes parents, ils voulaient donner ce prénom, ja badad Parce que moi, j'ai une cousine mais... qui s'appelle Alicia, c'est pour ça que je te dis ça. Non, jamais. C'est mon ouais. vrai, il euh, y a pas, j'ai pas d'autres prénoms, c'est le mon prénom normal, le euh, prénom de mes parents. Et après, en fait, plus j'ai réfléchi, après, c'est pas un prénom que j'aurais choisi, Alicia, c'est juste euh, que mon, mon pote, il m'a donné ce prénom-là parce que euh, j'ai l'air d'une antiaise. Ouais. Il m'a dit, ça passe bien. Et euh, mais c'est vrai que euh, je comprends pas trop pourquoi on devrait euh, vivre avec un prénom qui nous a pas été donné, qui qu'on a pas choisi enfin euh, nous-mêmes qui a été donné par nos parents. Au-delà de l'origine du prénom, hein, je parle juste euh, de la sonorité, si ça te plaît pas, pourquoi il pour... y a des gens qui changent de genre maintenant. Tu vois, c'est accepté ça, alhamdoulillah. Pourquoi on changerait pas de prénom C'est vrai. <laughs> bah il y, y a de il y, y a c'est plus facile. <laughs> Il y a de, il y a, non, la loi, la loi, le décret, la loi, elle est passée. Récemment. Ouais, mais tu peux changer de prénom, mais je crois, hein, de grikhtra, Ouais. <laughs> mais il faut que tu changes de genre avec, ou pas? Non, 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 tu, tu, peux, juste, tu, tu peux, peux juste, tu peux juste changer de prénom, de nom, tu peux prendre le nom de ta maman, genre le okay. nom, le nom de, bah ouais, de ta maman, non. le prénom, tu peux changer ton prénom, genre. <laughs> ah, en France? Ouais. Mais, 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 est-ce qu'il y a pas un truc, où tu te pas de l'esmec, mais tu peux pas de j'ai de l'colium? aujourd'hui, je pense que je m'appelle Aurore. Le lendemain. Non, non aujourd'hui, c'est un temps à Sandrine. Ah, c'est trop J'ai rêvé de mon grand-père cette nuit. Ouais, c'est vrai qu'il faut limiter le truc. Si je pouvais changer? Ouais. Ah, j'aime bien Sarah. C'est ouais. le prénom de ma soeur. T'as cru que tu tu dis, il y en a qui se barrent avec qui a un, ton vrai prénom? Ouais, mais tu, enfin, euh... ouais. Euh, j'aime bien Lila, Dalia, Ismaël. Oh J'adore ce prénom. mal elle est, elle est la chanteuse? Ouais. Ah. Ouais, bon, Ismaël, euh, elle elle a incarnée de son prénom. Ouais. Donc, euh. Hmm. Je, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas du tout. C'est vrai Ismaël, euh, on n'a pas de. Donc les auditeurs rigolent là. Vous êtes incultes. Vous êtes des Quand podcasteur comme ça, Non Ismaël, je sais pas. <laughs> je sais pas. Mais ça, tu sens la différence, mais les euh, quand, entre Alicia et, et ton vrai prénom, même sur la scène. Est-ce qu'en termes de légitimité, tu sens un truc qui change? Bah. Euh... Parce que tu es capable de te nommer juste. Tu vois ce que tu ouais, veux dire de ouf. Voilà. Plutôt cool. Ah, non! Non. Ah, non. non. Bah, ça veut dire que les inspecteurs, ils sauraient. <laughs> Attends. Parce que c'était important que ce soit un prénom Babtou. Oui. Que les inspecteurs, ils savent pas. Ah, bah oui. d'accord. Bah oui. C'est encore plus subtil. Bah C'est pour ça que je t'ai dit, quand j'ai publié doit... la vidéo de où il y avait Hassanet, j'ai confirmé ce que j'avais comme appréhension. D'accord, okay. d'accord. Donc, c'est-à-dire, même les sujets que tu traites, tu ne dois pas traiter de sujets qui sont... Euh... En tout cas, tu peux pas les traiter de, comme si tu étais une personne ouais. qui avait du coup un prénom d'origine arabe ou Que ce soit sur scène ou sur vidéo. D'accord. Okay. Les inspecteurs, ils aiment pas. Est-ce que, <tiets> est que tu peux, voilà, mm. parce que nest leur qui n'ont pas eu le contexte de la discussion. eux, les inspecteurs. Eh ben. Écoute, <t oh> <t oh> les femmes, on, on souffre tous de misogynie. Voilà. Sauf que euh, les femmes robeux, euh, elles ont en plus la misogynie supplémentaire des mecs robeux qui ont une espèce de euh, de comportement possessif envers nous, genre on est leur propriété, on est censé les représenter. Sauf qu'à la fin du mois, il me semble que c'est pas eux qui me payent le loyer, mais ils ont toujours un truc à dire sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on dit et euh, et du coup, on est encore plus censuré que les autres femmes. Parce qu'on a la double misogynie quoi. La misogynie des autres et la misogynie des nôtres. Ah ouais? Même si j'aime pas tellement dire euh, des nôtres parce que dès lors que quelqu'un se, se permet de dire ce que je dois dire, ce que je dois faire, il est plus, il est plus le mien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, là, on a donc ça veut dire que tu. Enfin, tu peux dire tu es c'est Normal. Donc voilà, c'est ça et, les et, inspecteurs. Et du coup, les. Euh le comment dire et depuis que Alicia les inspecteurs relaxent euh, tranquille ah oui ah ouais non ça vous amasser c'est bon je passe dans le radar ils ne me... sont plus responsables ouais après c'est l'autre misogynie euh, classique <laughs> <Quand> même, classique <laughs> De base. Voilà. Option. Mais allez, oh, je me reste ouais. les options. Okay, mais sans option. Tu gères. C'est voilà. Tu <laughs> sais la gérer. C'est la moisson de nous a présenté un peu. Tu sais, quand misogynie, supplémentaire, ah non. <laughs> Yann, à la fin du message, il y a pas tu nous fais honte. Ah oui, c'est <laughs> Y a ah, des alors... insultes misogynes, mais à la fin, il y a pas tu nous fais honte. Voilà, c'est ah, tout. Les, les blancs, ils disent pas tu nous fais honte. Non. 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 C est... Elle est pas drôle, c'est une feu. Ah ouais. <laughs> Alors que, euh, les inspecteurs, est, elle est pas drôle, tu nous fais honte. <laughs> Donc, si vous voulez reconnaître, euh, sous les commentaires d'Alicia, Tu vas Qu'est-ce qu'on les tu, contre <laughs> F, tu nous fais honte. Et yo, b'saha, le, le, ou, le gouvernement, il y a un qui dit, il y a Alicia. Qui fâche? Tu vois, genre, quand tu t'arrives, moi, si j'arrive et je dis, euh, Jérôme, je sais que, euh, il va y avoir un, un arrêt sur image. Ah, ben, justement, je passe pas forcément pour une robe Ah, oui. On me dit rarement que j'ai l'air euh, déjà maghrébine, mais encore plus algérienne, quoi. C'est impensable que je sois. Déjà, je suis mat. J'ai l'impression qu'en France, pour les gens, les Algériens sont tous blancs. C'est marrant, ça. Ouais. C'est la fois que j'écoute ça. Ouais. Ah, ben, ouais, ai sont Bilka, quoi. Ouais. D'accord. Donc, si je suis maghrébine, je suis forcément marocaine. Parce que je suis mat. Parce qu'on s'imagine pas qu'on puisse être aussi mat. Déjà, c'est plus soft. Ouais. Kiffage. <laughs> c'est plus soft. Il y a moins de, il y a moins d'inspecteurs. Ah oui. <laughs> Donc, non, ça passe on, on, euh, à l'issue normale. Il n'y a pas de bug. Et, et, et désolé, je te pose plein de questions parce que ah. je suis curieux. Parce que, euh, moi aussi je monte sur scène et je, je, je suis confronté genre à, je, je subis pas la misogynie mais je subis euh, le racisme le tu nous ah, fais honte ouais, tu nous fais honte ouais, tu nous fais honte. ouais. <laughs> tu... le tu nous fais hantisme le tu nous fais hantisme <laughs> euh, voilà on vient de créer un truc <laughs> le... tu nous fais hantisme <laughs> C'est peut-être que c'est un mouvement, peut-être qu'il est financé ouais, et tout. Ouais. Peut-être un mmh. Mais ça serait bien qu'il se répand et qu'il travaille beaucoup plus euh, dans le quartier de Barbès. Parce ah. que là, il y a beaucoup plus de tu nous fais honte. M oui, mais non? bon. Mais, mais, ouais, mais. mais... Généralement, tu sais, on s'attaque à des gens. Facile. Voilà, exactement. Mmh. <rires> mmh. <rires> tu peux pas arriver à Barbès ouais. et tu dis, vous nous faites honte! <rires> <rires> chla, chla, chla. <laughs> <laughs> ça. Et, et, quand, et quand il y a des, des, des rebus qui découvrent que euh, tu t'appelles Alicia, est-ce qu'il y a des réactions Ou même mêmes, si il y a par rapport à la est-ce que, que tu n'as pas l'impression que tu puisses passer Zama pour la meuf qui n'assume pas ses origines Non, parce que j'en parle sur scène. D'accord, ok. Dans mon spectacle, j'en parle. Je parle même de euh, l'islam, je parle, de, je parle de, de religion, je parle de mon origine, donc euh, non. Oui, oh mais du coup donc là ça veut dire les inspecteurs, euh, Mais les inspecteurs, euh, ils viennent pas à mon spectacle. Ah, ah c'est à dire que c'est plus une, euh, c'est plus lié vraiment au grand 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 public qui va regarder 30 secondes d'une vidéo sur un réel ouais. en stalkant grave, le truc, tu vois, en scrollant. Ouais, D'accord. J'ai pas besoin de cette attention. -là. Ah ouais. C'est ça. Donc Et en fait euh, le... du coup dans, le, dans tes spectacles etc. ça passe crème. Dans mon euh, spectacle déjà j'en ouais. parle. Euh... Et là récemment j'ai su comment en parler en comedy club. Parce que je voulais pas parler de mon, de mon origine sans, sans que ce soit, un, original, et deux, que ce soit drôle, que ce soit drôle quoi. Et que ça ait du sens pour toi, au plus, ouais. hum? en plus, ouais. En plus, que ça ait du sens. Ouais. Ah ouais. Que ça qu y ait un sens. Ouais, euh, faut bah, il faut bah, qu'il y, y ait un juste, sens, hein, ouais. et il faut que ce soit drôle, et il faut pas que je tombe dans des clichés euh, par rapport à, à ça, parce que j'ai pas envie de reproduire ce qui a été fait avant. Et là, récemment, j'ai commencé à le faire, mais euh, avant ça, c'était déjà dans mon spectacle. Mais par contre, dans les vidéos, c'était un peu plus. Ouais, mmh. ouais. Et comment on fait demain Ça, voilà. Qui dit qui dit qui dit spectacle, Netflix ou là. Euh, C'est une autre histoire. <laughs> je veux pas penser au futur. C'est vrai. Veux pas non, franchement, demain peut-être je vais mourir. Bon, ça, c'est le cas de nous tous. Oui. Euh, mais euh... Non, mais oui. Demain, tu vas mourir. Peut-être, tu vas mourir. Peut-être, Je vais pas me prendre la tête sur euh, ce qui peut se passer dans le futur. Là, pour l'instant, je gère ce que je peux gérer. J'en dis ce que je <laughs> peux gérer. J'en barrage, là. Après, quand ça va péter, ben bah, ça Je gérerai à ce moment-là. J'appellerai une armée de castors. Allez! <rire> <rire> tu sais, c'est drôle que tu dises. Je comprends mieux maintenant, tu euh, une fois, je suis allé à... Je t'avais raconté, Amine, tu es déjà allée au plateau Abdelkader, l'UEWI. Tu es déjà allée au Fortin Dahek. Tu sais, le plateau Blarwia. Ah oui. J'ai déjà joué. J'ai joué là-bas. C'est trop bien. Qui Et bien tu vois, et moi, alors une fois je suis allé là-bas, où château d'Adel, je me Mais c'est pas les inspecteurs, donc... Oui, mais justement, c'est les Libanais. Mais ça, les gens mais mal, les petits inspecteurs. Monsieur Kiman c'est vrai oui, ça veut dire que, mais c'est intéressant parce qu'il y a encore plus de travail Alors, à faire Alicia, mm. <laughs> je, je comprends que des fois c'est dur de parler des inspecteurs mm. parce que c'est dur de parler des inspecteurs donc si c'est <t> vrai tu veux que je dise des c'est drôle comme mot non dans le sens oui <laughs> mm. <laughs> c'est des fois on a tendance à à même protéger ces gens. Oui. Je ne sais pas si toi tu Moi, le, je fais le fais ou pas. Moi je le fais. Voilà. C'est pour ça que je, en venant là, j'étais en train de me dire, j'aimerais bien lui dire que j'ai pas envie d'en parler de ça. Les est-ce qu'on en parle ou pas Je ne sais pas. Mais pourquoi je les protège Parce que euh, j'ai l'impression, mais c'est pas que j'ai l'impression, c'est vrai. Ça donne du euh, grain à moudre à d'autres misogynes pour se dédouaner de leur misogynie. On est complètement ouais. Je vois Et l'instrumentaliser. Ouais. C'est pour ça que je, je, sais pas, je les protège pas, je, ils oui, Mais, ouais. mais c'est, j'ai pas envie qu'on les utilise pour eux les douaniers de leur propre misogynie. Tu vois? C'est un peu les, c'est un peu le même truc que le voile en Iran et tout ça. Il y a que eux, mais c'est à condition de Ici, il n'y a pas de problème. C'est vrai, Tu ouais. vois? Nous aussi, on, on voulait à, à, comment dire partager ce genre de discussion, mais la protection bah la Marcos, et tout. C'est vrai que la l'année quand je suis allé avec le plateau, je me suis dit, oh, euh qu'est-ce qu qu que les Libanais aller, la meuf. Je vois une meuf, elle m'a tué de rire. Elle parlait que de cul. Je sais qui c'est. Ouais, je sais pas si c'est la même, bah, et, et je vois, mais elle, hey en plus, elle parle de de, de, de comment te dire de masturbation. Euh non, je crois pas qu'elle ait parlé de masturbation, putain, j'ai raté ça. Pamela Assad, non Euh qu'elle a je veux court là. Non, les Non, longs. moi elle a parlé d'un truc euh, sur sa mère qui vient chez elle. Je crois que c'est c'est Pamela Assad, elle a des cheveux longs, elle a des lunettes. Euh ouais, elle a des lunettes, ouais, elle exactement. OK, ouais. Et mmh. du coup donc elle a ce... un sketch un... incroyable, enfin, oui. bah, je sais pas si c'était le même ou pas. Mais j'avais entendu déjà mmh. des trucs sur sa mère. Et je, genre euh, j'étais en... à la fois et j'étais à la fois jaloux, je me suis dit euh pareil. Oh oh pas pareil. <laughs> Pareil. Et quand j'ai joué, après, tu sais, moi, j'ai, quand j'ai joué, moi, j'étais encore sur le Fukaha, tu vois, sur cet esprit-là. La petite Ouais, la petite okay. Donc, faut pas dépasser les limites. Et, et euh, après, je vois les autres, Pamela et tout, et je les vois rire. Je fais, oh, la chance. <laughs> Attends. Mais moi, je voulais pas faire mon matériel habituel. Je voulais vraiment faire un matériel. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce matériel. C'est un matériel que j'avais déjà en tête et tout. Mais ça m'a quand même, j'étais là, oh, la chance, c'est trop bien. Et pourtant, il euh, y avait, euh, c'est pas un truc, genre, euh, musulman versus chrétien. Hein. La non, moitié, c'est ouais. des musulmans, l'autre, c'est des chrétiens. Ouais, ouais. C'est même pas une question, d'ailleurs, euh, quand quand t'arrives dans ouais. le plateau. Ouais. 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 Mais c'est, oui, ça veut dire que vous avez du travail, hein. Vous avez du pain sur la planche, Reda ah, et Alicia. Ouais. C'est ça, l'humour, c'est le fer de lance. Hein. Faut que et voir ce et... qu'elle a fait connu juste avant. Ouais. Ah, moi, 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 je, je l'avoue, je le dis très souvent, moi, je suis jaloux, hein. Moi, je suis jaloux. Ah, pas, je suis... Mais quand, ouais. enfin, là, j'étais encore plus jaloux parce que, tu te sens beaucoup plus proche de, de des libanais que des français Bien sûr. Mais parce que bon euh, faut dire la vérité même quand je vois des blancs monter sur scène ils parlent de leur truc, ils parlent de, de tous les tous les sujets quoi. Il y a il y a, y a aucune mm. comment dire, il y a aucun nœud. Ouais. Il y a rien. Alors que j'avoue que moi c'est quelque chose que j'essaie de libérer de plus en plus mais jusqu'à aujourd'hui euh, quand je monte sur scène devant Tawana Ouais. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a un truc de j'ai l'impression il y a il y a un truc qui bloque. C'est faut se slat. Mais d'ailleurs quand t'as joué à 213 213. Oui parce que je t'ai vu passer dans le dans la programmation. 213. un truc de la République là. Ah Algérie ah, oui. ah non, oui. je crois que Algérie, c'est ouais. 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 Hum. Comment tu t'es censuré Comment t'as fait Putain, et c'est pas du 200. <laughs> Mais comment tu as géré ça Alors euh, <coughs> écoute, il y a eu, eu c'était par étapes, parce que déjà ça faisait euh, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas joué FGZahir. Du coup donc euh, tu, sais, tu sais quand ça fait pas mal de temps que tu pas joué, même devant un public algérien, euh, que les, tu sais pas. En fait, je sais pas c'est un sable mouvant. Mmh. Okay. Donc tu y, y allais en mode euh, presque kamikaze. Non, j'y je... suis allé en mode je vais y aller tout doux ah, pour voir un peu. Crescendo. Donc je joue, ça se passe bien. Puis je fais, je crois, une deuxième. Et okay. ça, genre, j'augmente je, je, le curseur. <laughs> et la troisième, Mineid était là. <laughs> la, la troisième, bon, il s'est passé un événement où je me suis un peu énervé parce que... Tu t'es énervé dans les coulisses, d'abord. Je me suis énervé d'abord dans les coulisses. Mmh. Mmh. <applause> بس كان كاين واحد ليموريست جا كيما هاكا و وقال قاعد يقول بلي وا علي بليش لان نطلع شيرسين زعما بسكورها كاين ب غير العرب تحسب جامع il y, y avait que il y avait, que, y avait, y avait que mal, des, des, des mamans voile, des et wow. tout ouais son spectacle c'était quasiment que de des trucs de sexe wow. de et cul moi, et tout moi je euh, les meufs les dames si elles sont venues au spectacle c'est pour tout écouter faut arrêter de juger sinon oui. enfin dire elles seraient allées ailleurs tu vois donc ça veut dire va faire ton truc et tout et là, sur scène il commence à faire des vannes que sur ça. Je vais pas citer le nom. Tu sais que sur oui, je sais pas si je vous fais mes ou les blagues parce qu'un est mon humour. Si je vous le fais, comme me donnera en enfer Je sais pas quoi. Bon bref, que du jugement. On est derrière niggé. Ah, c'est lui qui m'a annoncé. Je suis monté sur scène. T'es que des parce que t'as pas aimé son a priori. J'ai pas aimé son a priori, ouais. Parce que le truc c'est que soit tu prends le risque et les gens te jugent et là t'es légitime de dire, mais le truc, c'est que tant que t'as pas fait, ne juge pas. Fais un passage soft, plutôt que de faire un procès d'intention aux gens. Et qu'est-ce qu'on sait Peut-être que dans la salle, il y a des gens, justement, qui font l'effort en espérant que l'humoriste les respecte un jour. Ou même, il dit, j'ai un procès d'intention. Après, tu sais, la rencontre, soit elle se fait, soit elle se fait pas. Ouais. Tu connais, tu connais mon humour. Genre, je fais, je fais pas de cul, quoi. là, mm -hmm. j'ai commencé par une blague de cul direct. Je chappe haribedak. لاطرت عندها قلت لها ربك قلت لها دخلت قاعد تهضر قلت لها الشعب راه يضحك قلت لها ساي خلينا ناخر شك حاسب قلت لها عندك حاجه راهنا قلت لها حاجه واش عندك دراري قلت لي سبعه قلت لها راك حاسب كندير سكراب مع راجلها كانوا داخلين داخل سيت ناس الدم راه في طومي اون سينكوب تيلمون بلوري قلت لهم ربكم ساي عينا سينو نو باغي خليونا نعيشو قلنا الرب العوم لي سموج مي نيرف لا جيتي بلو دون لومور مشي انا علاش انا مشيت من البلاد باش جوست مو الرب العالي نديرو لي سبيكتاك نورمال باش تا يعاود تجي جالي سورتير دي مو Qui commence par la dernière lettre de l'alphabet français. <rire> Mais <rire> eh, je me suis dit, okay, le... ne touche pas à ce qui limite. <laughs> Reste euh... J'étais ah essoufflé. Mmh. Et <laughs> il a dit j'ai Là, c'est vrai qu'il est sorti mmh. du. Ah, je suis sorti du truc. C'était un moment d'euphorie où les gens, en fait, ouais. ils l'ont porté. Ouais. Et à un moment Trop donné, bien. J'ai fait J'ai pris la bouteille. Tu étais le dernier à passer, en plus. J'ai pris la bouteille. Je l'ai balancé par terre. قلت له قود بالمتاعب جيبوا لنا الويسكي <تكلم> <تكلم> خلونا نعيشوا الرب العالي أوه <تكلم>

et pourquoi elle a été faite mais peut-être qu'ils ont pas ils vont pas comprendre la solution à mettre en place mais si si ils ont compris mais sûr qu'ils ont compris Tu crois Bah oui oui. on parle pas arabe. Non non non, enfin ils ont mélanger du français Il pas accessible c'est pas C'est pas en tout cas moi j'ai une grosse frustration par rapport à ça sur le fait que qui là sur scène de enfin de 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 je j'ai peur faut dire la vérité. Mais chouf, elle dit de qui est là en scène de Vontawana tu as peur. Ça, la réaction de Tariq c'est la même que la tienne oui mais le truc c'est qu'on a jamais goûté le râché euh, euh, parce que ah tu l'as wow. ouais, tu le dis pas sur scène bah oui le... c'est à dire que dans le sens où là il a deviné enfin il s'est mm. il a, il s'est mis en tête mm qu'il a des barrières, ils ont des barrières, ouais. et il a modifié son enfin, il a voulu modifier son sketch, il dit, ah, mais non, je peux pas faire cette blague-là, parce que, ah, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Ben bah oui, ça veut dire il a mis la faute sur les gens, alors qu'il s'est encore rien passé. Ouais. Bien sûr. Ben, bah, moi, ça m'est déjà arrivé. Bah, tu, tu, rappelles... es, tu es humoriste, et enfin, à un moment donné, musicien, humoriste, écrivain, peintre, tu vois, ça l'a tenu une fois, il y a je sais pas, je vais rappeler une anecdote en 2014, on a fait un salon des cadres algériens en France et des étudiants. Et euh, on a voulu mettre un peu d'art c'est-à-dire faire une expo artistique au même moment que le salon dans les dans les murs du de la mairie du 15e. Et s'est posé la question de la nudité parce qu'il y avait une artiste algérienne qui peint un dessin nu. Mais c'était de, de l'art abstrait et tout et on a dit, oui, mais en fait, on peut pas genre dis, mais ça veut dire qu'on est en train de refaire les mêmes barrières, les les hommes, en ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et euh, et du coup euh, et du coup se, se poser cette question là. Je leur ai dit c'est pas à vous de dire. Si demain il faut porter sa démarche. Quand t'es humoriste et tu veux euh, faire bouger les lignes. En mmh. tout cas c'est ton rôle. Enfin je pense que c'est c'est le rôle de l'art en général. Euh, il faut euh, accepter de recevoir des critique. si maintenant le public ne rigole pas eh ben il faut que tu sois un maître en la matière et inverse pour pour porter Ouais le mais le problème c'est que des fois le public c'est pas que il rigole pas ça peut qu'ils me les inspecteurs fois... Ben oui les inspecteurs de rester avec Non <rire> non c'est <laughs> ouais. grave ça peut être violent hein. Moi euh, moi je j'aimerais bien faire ce que tu dis me battre et tout mais euh, déjà euh, des bides à répétition ça peut t'écarter du circuit très vite Ah ouais clairement ouais donc, as une vraie exigence d'efficacité. De, et puis, euh, c'est traumatisant, un bidon. Ouais. T'as pas envie de le reposer. Moi, je l'ai vécu euh, avec des, des taouanas euh, le 31 décembre. Oui. J'ai vécu un four, mais de l'enfer. Ça fait trois ans. Four euh, unième. <laughs> Ça fait deux ans que j'ai pas vécu un four pareil. C'est vrai ouais. Oui. Euh, à la Seine-Barbesse, je faisais le réveillon. Et il y avait trop de taouanas. Trop de taouanas, mais pas les... Les tawana. On a du 95, chauffeur Uber, avec leur copine. Et j'ai pris une claque. Déjà, ils m'ont vu arriver J'étais en mini jupe cuissarde. Ah ouais. Ah. Et <laughs> et après, il y avait une meuf carrément. Mais elle, c'est le le pompon euh, sur euh, sur le gâteau parce que elle euh, elle part en criant. C'est vulgaire, c'est vulgaire. Et en fait, il y a des hijabillettes à côté d'elle, et elle, elle, je vois que pendant tout mon passage, elle n'arrête pas de les regarder. Et après, elle se barre en criant comme ça, c'est vulgaire, et elle sort de la salle. Je lui dis, bah casse-toi. Et elle sort de la salle. Et à la fin du four, je viens la voir et je lui dis, mais euh, la prochaine fois, tu pars, pars en silence, quoi. C'est pas la peine de faire de l'esclandre. fait elle était déchirée sa mère. Ah oui C'est une robe Elle était déchirée <laughs> sa mère. Et après, elle me dit, moi, j'étais gênée, j'étais gênée pour les meufs avec le foulard à côté. Je... Mais les euh... meufs avec le foulard, si ça les gêne, qu'elles aillent à la mosquée! Bah oui! Qu'est-ce que tu racontes? T'es euh, gênée bah pour elles? Ça veut rien dire ce que, que tu dis! Exactement pourquoi, les deux sont Tu oui. portes un poste d'attention parce ouais. que tu juges dans ta tête, ouais. c'est ça? Ouais. Tu juges pas! Ouais, mais le pire, attends, j'ai pas fini. Et elle oui. me dit, euh, c'est vulgaire, c'est vulgaire. Et moi, je m'y connais en vulgarité parce qu'avant, j'étais striptease aussi. De... <laughs> ah tu vois Ah vas Bah ça, tu vois, ça, ça, ça te fera la prochaine vingt de temps spectacle! <laughs> mais c'est génial! C'est fausse ce de là! T'as la matière devant toi! Tu la racontes oh, sur Je m'y connais en vulgarité. Hey, c'est une bête de vanne, non? Oui. C'est une bête de vanne. Ah, J'ai jamais osé le raconter sur scène tellement ce four, il m'a traumatisé. Mais euh, peut-être un jour. Inch'Allah, il faut le faire. Catharsis. Tu voyais le regard de haine dans les, dans les yeux des gens, mais ça se voit, ils voulaient. toujours. Ils étaient à ça de me frapper, de monter sur scène et de me frapper. Mais moi, j'ai tenu le coup. J'ai tenu ah bah... mes 10 minutes. Hmm. On m'a payé pour faire 10 minutes. Je dois faire 10 minutes. Mais comment on fait, à ton avis On passe en pilote automatique. Non, non, non. Mm. Comment on fait, Zarmapur Parce que, comment te dire euh, Parce que, bon, il y a cette difficulté de jouer à domicile, mais euh, c'est fatigant aussi de jouer à l'extérieur. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Ça veut dire, c'est c'est fatigant aussi de jouer que devant des blancs oui bien sûr c'est une fois... autre fatigue c'est une no... autre oui oui c'est oui, toujours c'est d'autres combats ouais, ouais c'est d'autres oui combats. allez ouais. comment on fait parce que on n'est jamais en repos <laughs> tu toi qu'on n'est jamais en repos <laughs> c'est génial j'attends okay. ça le repos ça c'est pour les hommes blancs hétéro toi tu seras jamais reposé moi non plus comment on fait quand est-ce qu'on se repose muskine char <laughs> J'adore, c'est génial. <coughs> non non attends attends. Qu'est-ce <laughs> toujours ta race. Non non, non, non. Je pense, pense que y a, moyen. Regarde, chô, déjà, hône... Tu veux que dise... mm. saine... c'est une scène, c'est une scène. On sera en repos. C'est uh -huh. le, le, truc du, des Libanais là. Eh, non, parce que c'est vrai que le ton on savait pas trop okay, comment ça va est-ce que les inspecteurs euh, radio ils jouent mais juste et donc, à un moment donné, j'ai eu les inspecteurs, mais à autre chose, on a tranquille, très rapidement. <rire> <rire> Je t'ai allé dire Kamal Abdet, parce qu'à chaque <laughs> fois, oh on l'accuse. Ah ouais? À la Parce que, si toi et Reda, vous pensez avoir des inspecteurs, hmm. Kamal Abdet, quand Ça il te raconte ses inspecteurs pendant 15 ans de scène, il en a vécu. Hein. Ah. ah, lui, c'est un autre level Lui, il faut qu'il écrive un livre pour que tu Par <laughs> rapport à son spectacle, par rapport à ce Par rapport à, à tout, télé? par rapport à tout, tout toute sa tout, carrière. Tout. Tout ouais. sa carrière. Bon, ouais, Kamal ouais. Un jour, tu lui demanderas. Tu vas voir. Mais... bref mais ce que j'essaie de te dire, c'est que, regarde, à travers le podcast, on a réussi à avoir un... Comment te dire Un, un espace. Un espace, ouais. Tu vois, Win, c'est bon. Avec le, 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 le langage qu'on veut, les idées qu'on veut. Donc, euh, des fois, je me dis que peut-être qu'on qu peut faire ça pour pour l'humour. Tu vois ce que je veux dire mais, On peut créer mais, cette brèche. Mais, mais moi, des fois, je me pose la question. Est-ce qu'il faut un test en amont un test, c'est-à-dire des comédies club ou... Ou... Tu remplis un serfa avec les questionnaires Ah, ok, ah ouais. Êtes-vous d'accord que... sur les mots parce qui commencent avec que... un Z ouais. Parce que clairement, nous, on veut juste créer une tu as dit Z, elle a le dernier mot de l'alphabet français. Ah, tu veux dire, t'apprenne <laughs> l'euphémisme, ça Oh, tu sais, hein pas sur Qu'est-ce que je vais faire de l'euphémisme, hein Vas-y, vas-y. <laughs>

ça veut dire, moi, par exemple, si demain, je veux faire un spectacle win, oui, je veux psychologiquement me sentir comme, euh, donne-moi un humoriste blanc. Lui Chappé Lui Chappé, Je vais ton, me sentir. Ton ouais, so <laughs> mon sosie <-ci. rire> Mon <laughs> Ton intérêt qui se repose. Celui <laughs> qui se repose. Lui se repose. Lui se repose. Pour sentir. Alors, si je dois me sentir aussi à l'aise que lui chapé. Aussi reposé. <laughs> ouais, le public, avant, il doit signer une décharge. <laughs> si tu vois ce que <laughs> je veux grave, dire. grave. Grave. tu vois ouais. dans le sens où une, euh... mais et toi ton public il, il est majoritairement euh, robeux ou... ça dépend où je joue tu vois par exemple là quand à Avignon c'était blanc Avignon c'était white people ouais. c'était c'était trop mm. c'était fatigant mm. je, je vraiment genre un jour je suis arrivé c'était complet il y avait quatre robots en liste d'attente <laughs> J'ai dit à la billetterie, j'ai dit, enlève-moi quatre blancs. <laughs> dis, tu sais quoi, à un moment donné, je voulais même mettre des quotas, voilà. Ouais. Je me suis dit, mais, mais après, je savais pas comment mettre ça en place. Mais euh, ouais, c'était chelou. Et, et, et même moi, je savais pas pourquoi ça m'a paru chelou, parce que hard devant des blancs, ça va.

White people est très. Young white people. Young Zamakeli oui Young. C'est en dessous de 30 ans la moyenne d'âge. Ah ouais, ok, d'accord. C'est 26, 27, 24. C'est très jeune. Ils te baquent les réseaux sociaux. Ouais, et même dans les comédie clubs, c'est toujours le public le plus jeune qui, me, qui vient me voir et qui me demande mes réseaux. Ça te fait chier Pas du tout. Ah, ça va. Pas du tout. Ce Ça veut dire qu'ils ont encore quelques années, pas avec de l'argent. Tiens, juste <laughs> si j'ai un public de 50 ans, ils vont bientôt mourir. Alors que moi, là, j'ai un temps de carrière qui est plus élevé que mon âge. <laughs> Est-ce que toi, parce que bon, donc ça veut dire que toi, c'est comme si tu vis ce que j'ai vécu à Avignon tous les jours, c'est ça. Oui, mais je te dis, j'aimerais bien que ce soit plus bigarré, j'aimerais bien que ce soit plus varié, qu'il y ait des Renoirs, qu'il des Robeux. Mais malheureusement, euh, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé surtout quand la vidéo avec les hasanettes a, a buzzé. C'était quoi le la blague La blague c'est euh... la blague c'était euh... les meufs c'est des mystères, les meufs c'est des mystères, les meufs c'est des mystères, t'as pas d'argent sortir avec toi c'est une œuvre de charité c'est pour avoir des hasanettes Tais-toi. Okay. toi voilà <laughs> et euh... et du coup ça ça a ramené euh... des robes et des renoirs et tout et en plus ce qui était trop cool c'est que elle connaissait pas encore l'étendue de mon humour et elles étaient euh, totalement euh, ok avec euh, ce que je faisais sur scène. Au contraire, elles kiffaient. C'est trop bien. Ouais, mais je Je sais pas comment élargir. Euh... Moi, après, je cherche pas tout le temps à élargir. Je cherche juste à faire ce que j'ai envie. Si ça plaît, à... si ça plaît aux robots, tant mieux. Si ça plaît aux Gouer, je m'en fous. Enfin, mais euh, voilà. Non, c'était par rapport à la question. On disait, t'as t'as trop à l'aise, t'as trop à club à domicile. Moi, je serais à l'aise que dans. Je suis. Je suis à l'aise en vrai, je suis à l'aise que devant mon public, mais en comédie club, je suis jamais à l'aise. Ah oui Je suis jamais à l'aise. Okay. Et du coup, pourquoi tu continues à en faire <laughs> Pour euh, travailler. <rire> 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 Tout simplement. <laughs> Tout simplement. Et, et, et j'ai l'impression aussi que pour mesurer la force d'une blague, tu es obligé d'aller la jouer en comédie club, même si c'est pas forcément une blague que tu vas faire souvent, que tu vas garder très vite en, en spectacle. Euh, la confronter à un grand public, c'est aussi, aussi qui est pas forcément d'accord, qui est con, presque parfois pas du tout d'accord avec ce que t'es en train de dire. Bah c'est euh, c'est mesurer l'efficacité de la, la blague, ouais. tu vois? Parce que faire des blagues devant mon public et ça marche c'est très facile je peux le faire tout le temps. Mais euh, j'aime bien aussi euh, j'aime bien aussi euh, me battre euh, devant des grands publics et euh, et les faire rire sur des choses sur lesquelles ils sont pas d'accord. Ah dans ce sens-là, ok. Ouais. Parce que moi le public de comedy club, je lui fais pas confiance quand je teste une blague. Ah toi tu c'est le, tu le contraire, toi tu testes plus en spectacle qu'en comedy club. Euh, le comedy club, je travaille autre chose. Je, je travaille beaucoup plus le, le rythme. Je vais travailler beaucoup plus peut-être la formulation de la blague. Mmh. Mais par contre, je vais pas travailler la blague en elle-même parce que le, le, je je fais pas confiance à ce public. Je fais pas confiance à n'ya à ah, un un CSV plus qui a les moyens de payer une assiette de tapas à 45 euros ouais. parce qu'il rit à ouais. des blagues euh, voilà quoi ouais -dire, il a, je, entre le je sais pas moi les rillettes ah. de poisson ou les la Black c'est c'est un monde tu vois il y a ça et après il y a tout le capital culturel tu vois il n'a ni complètement le mien ni j'ai complètement le sien ou en plus on sait très bien comédie les 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 club... Les 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 ils sont bêtes. Ils ont, ils, ils sont, ils ils sont ils ont hésité <laughs> entre le comédie club et un escape game. Hein <laughs> oh, clairement. Oh, donc, mon donc, oh mon dieu. dieu. Oh, mon dieu. Game <rire> 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 tu viens de débloquer mm. une nouvelle peur là. <laughs> oh mon dieu, c'est vrai en plus. Et du coup, donc, ça veut dire que je vais pas lui faire confiance. Mais par contre, une fois que j'ai travaillé là, ça, ça c'est peut-être, euh, ça fait bizarre. C'est hyper technique même. Ah, mmh. mais <laughs> non, on l'a perdu. non, si, si, je Oh je... là là, <laughs> c'est que les, les deux humoristes qui nous écoutent, là, ils comprennent. <laughs> ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est <laughs> important que même les gens qui nous écoutent, ils comprennent un peu le processus de création. Parce que, mmh. donc, euh, on va tester des blagues dans plusieurs endroits, plusieurs comédie clubs. Bien sûr que qu'il t'a tu tu tues spectacle tu vois la blague là, mais moi mon ego il a pris cher pendant Exactement. je sais pas combien de temps donc c'est bien aussi que comment dire que les gens comprennent parce que c'est j'essaie de le dire très souvent dans le podcast aussi tani hadou des fois tu es vulgaire ou là ma « Mais mec, des fois, t'es venu me voir et j'étais dans du test. Ouais. J'étais dans un moment où je travaillais un sketch. » Exactement. « Too good. Là, je fais en train de travailler un truc. Il faut que toi aussi, tu joues le jeu, en fait. » faut... Mais quand les gens ils sont pas conscients... Mm. Ouais, ils savent tout. J'ai ouais. l'impression qu'ils savent tout. Et surtout, ils ont l'impression que ce qu'on fait, c'est facile ouais classes. mais bon ça c'est un autre sujet Tu ou des humoristes ouais <rire> bah si c'est si, en fr en France c'est quest euh, Ouais. Zitkes en live avec euh, tous les humoristes c'est comedy club Zitkes comedy club euh, qui un, un ont un peu de sang algérien hein qui ont un peu de sang non, algérien non franchement on fera des vrais tests moi je veux pourcentage minimum 70%, je suis désolé <laughs> <laughs> mais mais pour revenir euh, à ce que je te disais, ouais, c'est ça fait bizarre bleu, les armes. Je teste d'abord au spectacle et en fait, je vais faire les finitions au comedy club euh, parce que, je, je, regarde, euh, j'ai, je, je, euh, je, je me suis laissé aller ces derniers temps ouais. euh, par rapport à ma, mes cheveux et ma barbe, ouais. mais moi, je, je, je l'ai pas remarqué jusqu'à ce que les gens me le fassent remarquer. Mm -hmm. Yo, je me suis rendu compte c'est pour ça que l'invention des miroirs c'était incroyable euh, ouais <laughs> Félix Dion il a un super sketch je sais pas si le connaissez non il a un super sketch Félix Dion Félix Dion à moitié algérien d'ailleurs uh -huh. non mais il faut que je teste, il, que je teste. <laughs> il a un chouiller. super sketch sur l'invention du miroir Winnie dit comme quoi on était beaucoup plus à l'aise avec notre apparence avant. ah c'est trop marrant ouais mm. c'est trop marrant il, en plus il, il, il a un storytelling genre, genre il, il a un truc il dit t'as un bout de salade entre les dents tu peux pas faire 25 ans avec <laughs> <laughs> oui et mais par contre les gens et du coup donc j'ai commencé à écrire un truc sur le fait que je me suis rendu compte que ma barbe n'était pas une simple barbe je sens qu'elle est engagée politiquement <laughs> elle a vécu sa ouais. vie elle ouais. est commencé à militer ouais. et j'ai commencé à écrire quelques vannes je sais pas genre par exemple je me suis rendu compte que dans un bar ouais. avec des potes surtout potes blancs même ouais. arabes, hein, même ouais. j'ai plus le droit de commander du MBR, ouais. non du ah, soft ah du soft bah oui qui fâche ah, parce qu'avec la barbe, ou dites tu commandes un soft. Ah, <laughs> moi j'aurais cru que c'était le contraire que allais alors, dire. alors Imagine. Okay, ouais. Imagine une TIA. Eh. Ça veut dire on a le même capital culturel ah, ouais, et ouais, tu ne ouais. m'as pas suivi. Imagine la qui dans un comédie club. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. ça qui est intéressant. Mm. C'est que moi j'arrive. Imagine. Ouais. Je mange pas de hello. Ouais. Je prends un soft. Ouais. Avec voilà, quoi je te rassure ouais, <laughs> <laughs> Qu'est-ce qui me reste là, <laughs> ouais. Tu vois, il n'y a rien qui Tu mm. vois ce que je veux dire je sais que je peux pas tester ça devant. Du coup, t'es devenu alcoolique à cause de cette barbe. il oh y a des soirs, j'ai pas envie de boire. Le matin, au petit déj il va au café, il prend de l'alcool, il est ah obligé. Voilà. Bah, oh des fois, j'ai pas envie de boire, mmh. je veux juste une citronnade. Mmh. Et là, les gens. Après, c'est de ma faute. Parce que moi, je fais partie de ces gens que quand tu prends une citronnade, tu fais, allez, Mais est non. C'est toi qui a participé à cette culture. J'étais, j'étais. <laughs> c'est si C'est <laughs> <laughs> grave. Allah. Du coup, donc, ça veut dire, tous les sujets, je sais, je, je peux pas en parler partout, tu vois. Mm. Ça veut dire, il faut que je sois dans un environnement propice et fertile. Ouais, grave. Qui ont, qui sont, mais de toute façon, que ce soit les références de culture maghrébine ou, ou autre, je trouve qu'en Comedy Club, ouais. les gens, ils sont particulièrement incultes. Mais normal, là, hein, tu peux le dire, ils sont particulièrement incultes, normal, Gouliha. Ouais. Hmm. Non, mais parce que les humoristes, ils aiment pas le dire, ça. Ah, je pense pas que le public soit inculte, je pense que aussi c'est l'environnement qui fait. Non, en fait, c'est une rencontre, c'est une juste, rencontre. Ouais, exactement, tu vois. Parce que, dans un autre contexte, rajoute que le côté... Culture. Culture. La culture. Les références. Wow. Mais par contre, je sais pas pourquoi. Ils le... s'abêtissent en Comedy Club. Il y a un truc, je sais ouais, pas. Non, parce que, ça, parce ça. que le processus de vente du Comedy Club ah, oui. est un processus de dernière minute, de rempli, de... Euh, voilà, c'est... Ou même moi, quand tu vois la chauffe, la chauffe, elle te met aussi, elle te conditionne à mmh. être dans une ambiance. Yeah.

Ouais. Mais oui, je comprends okay. pourquoi tu réfléchis à 10 parce que si tu allais dans ton enfance en Algérie ouais. pendant ton enfance en Algérie, enfin forcément ça n'existait pas. dis Zetina. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire Je t'ai coupé, désolé. Ouais, ah d'accord. Zetina. Oui. Et 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 t'allais souvent Tous les ans. Jusqu'à Jusqu'à 19 ans. Pourquoi ça s'est arrêté brusquement Parce qu'ils m'ont saoulé Enfin, m'ont saoulée. Euh, J'ai. Parce que je suis devenue une femme. Non, mais c'est vrai. vrai. Ils m'ont saoulé dans le sens où. Euh, euh, ben, j'avais pas le droit de sortir, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. J'ai juré que je reviendrais pas si j'avais pas, si pas une voiture ou quoi avais, que voiture soit. T'avais le droit de sortir avant qu y, qu y fais, Avant je... 19 ans. I, en France ou en Algérie Non, en Algérie. Non, j'avais pas le droit de sortir. Ah, d'accord. Et si j'avais le droit de sortir, c'était en genre, il fallait revenir super vite. Euh, et puis, euh, puis je m'emmerdais, quoi. Pendant deux mois, je m'emmerdais. Il n'y avait rien à faire, euh, donc... Euh, j'ai juré que je reviendrai pas jusqu'à ce que euh, soit je suis véhiculée, soit j'ai le permis, soit ma sœur a le permis et, et on, là on passera des vraies vacances. Mais sinon, bah on passerait notre temps à la maison et, on, et à un moment c'est bon quoi. Tu préfères euh, aller ailleurs en vacances quoi. Non, c'était même pas le ailleurs. D'accord. Je voulais, j'aurais kiffé profiter de l'Algérie euh, si j'avais eu les moyens d'en profiter. Okay. Euh, mais euh, parce qu'en vrai, là où je vais maintenant, ça ressemble beaucoup à l'Algérie. Mais euh, après, je suis revenue quand j'avais 26 ans. Donc quand j'avais 25 ans, avec ma sœur qui avait le permis, ben, je l'ai pas, <rire> <rire> je l'ai toujours pas. <laughs> D'accord. Mais c'est moi qui ai payé la voiture, <laughs> euh, c'est moi qui ai tout payé. Elle avait juste le permis. Et après, on a passé de super vacances. Et après ça, j'ai commencé à revenir genre euh, tous les deux ans. Voilà. Parfois même cette année, j'y suis allée deux fois. Ah, ah ouais, euh, t'as joué J'aurais voulu, j'aurais, vou j'aurais voulu me mesurer un peu euh, au public algérien, mais euh, un jour. Bah, t'as eu des occasions ou là, pas du tout Non, pas encore. Ah. J'ai failli. Après, euh, on... Toi, toi, t'as fait Algérie ou la maiselle Non, j'ai pas encore fait Algérie. Et justement, j'étais programmé sur Algérie en anglais. Uh -huh. Et après, euh, dernière minute, ils ont changé d'avis. Ah merde. Donc, euh... Et du coup, par rapport à 19 ans, as... à quel moment t'as commencé à penser faire du stand-up, à monter sur scène et tout 18 ans peut-être. Ah d'accord, ok. Ça a commencé. Hein. Ouais, super tôt, mais j'ai fait ça 12 ans après, 13 ans après. Mais non. Mm. Ah ouais, ok, d'accord. Mm. Mais, mais, mais mais pourquoi ça a pris autant de temps Parce que je pensais que j'en étais pas capable et, euh, et surtout, en fait, je... en vrai, ouais, la pression, euh, la pression de l'entourage, dans le sens où j'avais peur d'être jugée. Euh, et puis. Euh et puis ouais j'avais surtout en vrai j'avais surtout 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 peur d'être jugée c'est vraiment ça qui a qui a handicapé ma vie pendant très longtemps c'est la peur d'être jugée et après euh, euh, genre pff, quelques mois avant que je commence le stand-up euh, on m'avait diagnostiqué un début de cancer ah ouais et après je fais <laughs> ça veut dire que dans deux ans je vais peut-être mourir fuck off c'est fini maintenant je vais monter sur scène et je fais ma vie j'en ai rien à foutre et ça a fait un déclic tellement incroyable dans ma vie que en un mois enfin le, le mois d'après quand on m'a diagnostiqué ça je devais faire la biopsie pour faire une opération et dans la biopsie il n'y avait plus rien waouh hmm soigné par l'humour. Ouais, je pense, soigné par, par le euh, non les hormones de, de bonheur quoi et je pense de la frustration qui se 13 ans, ans de frustration, mmh. 13 ans où je vis dans une salle d'attente et je vis euh, et je fais des trucs mais ça me plaît pas et je sais très bien ce que je veux faire et je veux pas je peux pas le faire et euh, et après, après ça fait ça je pense que ça a délivré tellement d'hormones de de sérotonine de bonheur que ça a fait la guerre dans mon corps et hein, une guerre qui a été euh, victorieuse mais je compte qu'ni jugique je compte la famille les proches je pense c'est surtout un pas ma famille je pense surtout un cercle d'amis que j'ai plus tout simplement parce que en vrai si t'as peur de certains si t'as peur du jugement de certains amis c'est que tu devrais pas les avoir dans dans ta vie ouais. voilà et je les ai abandonnés mais c'est fou quand même que genre c'est ouais genre c'est quand as eu l'information ouais. que les potentiels mouriront mutier gadoa et collège libère. Mmh, grave. <laughs> c'est fou. On veut tous cette info. <rire> <rire> mais de ouf, si on savait quand est-ce qu'on va mourir, mais on vivrait jamais cette vie-là. Tu, tu connais le film avec euh, Catherine Deneuve et et Boun Benoît Poelvoorde C'est un pas vu. film où Benoît Poulvard, c'est Dieu et du coup il connaît la mort de chacun dans un programme informatique, et sa fille, qui le déteste, elle a hacké le programme et elle l'a délivré à tout le monde. Du coup, tout le monde sait quand est-ce qu'ils vont mourir. Ah ouais. Et du coup, plus personne ne gère sa vie comme, euh, il devait la gérer. Et il y a un truc qui me faisait rire, c'est que, à la plage, les gens qui mourraient bientôt, ils ont le droit d'aller, euh, tout devant. <rire> <rire> et les gens qui meurent un jour dans 20 ans, ils aller tout derrière. <laughs> c'est génial c génial allez allez on a flanchi les digues tout le temps c'est important qu'ils engrillent le ah ouais putain je sais pas moi si je sais pas c'est un exercice de stand up ça en plus souvent on dit ah mais si tu devais connaître le, la date de, de ta mort non Il là y a pas un truc comme ça genre un, un bon dans, genre dans l'apprentissage de stand up non pas dans l'apprentissage ah, ma ah mais oui c'est c'est intéressant d'écrire sur ça ouais. genre ma ah, qu'est-ce que tu fais c'est un thème récurrent tu trouves non, pas en bas, ah, je trouve pas assez, je trouve ouais, que c'est un ouais. thème intéressant. Ouais. Bon, je, je sais pas si on peut le jouer devant la famille, <rire> <rire> Moi, je, je, je sais. je <laughs> Ben, je sais pas, tu sais très bien, ben, les, il y a un rapport particulier, mais il n'a Enfin, en vrai, même en France aussi. Non, ah, tu... je trouve qu'il est beaucoup plus, ta... la mort est beaucoup plus taboue en France qu'en Algérie. Ah, ah, oui. ah, mais ah, oui. Ah, mais ah, oui. Ah, mais tu sais, parce que dans l'islam, on doit penser à la mort 40 fois par jour. 40 fois par jour. Le chiffre, il est vérifié. oui, oui je te jure. Ah. C'est un hadith, hein, c'est pas le Coran. Ah, okay. Et, euh, du coup, c'est, important, là, la notion de mort dans la vie des gens en Algérie. C'est pas tabou. Mais ici, c'est hyper tabou. Tout est, euh, tout est loin des yeux. Faut pas voir la mort, on n'en parle pas. Dis, enfin, juste, dis la mort sur scène, khlet. Par contre, c'est assez marrant de, dois... Parce que on doit penser à la mort, mmh. mais par contre euh, pas pour faire n'importe quoi, pas, pas pour faire du stand-up. <laughs> <Tu rire> grave, ce que je grave, grave. Juste pour euh, se rappeler de l'enfer, quoi. Et et, et Mais 40 et... fois par jour, c'est énorme. Euh, Quand ouais. est-ce que tu vis, <laughs> tu fais que penser à la mort. Ouais. Je vais mourir, je vais mourir. Je vais mourir. J'ai pas le temps. Je suis désolée. Faut que je pense à la mort. <laughs> Ça fait plus d'une fois par heure. <laughs> oui. T'imagines Mais oui je ouais. sais je, je, ouais je sais je sais pas moi j'y pense mais pas 40 fois mais quarante fois c'est trop bizarre mais t'as pas le temps de vivre ouais j'y pense ou déjà ah oui non mais ça veut dire que si tu dors 8 heures mm. ça veut dire il te reste que 16 heures <laughs> faut y penser <laughs> faut que tu sois un petit dormeur pour pouvoir y penser t'as vu si tu dors 12 heures genre t'es un gros dormeur il te ah reste ouais. il te reste huit heures non il te reste 12 heures 12, douze ouais pardon 12 et 12. il te reste 12 heures c'est pas assez hein ça fait pas assez. C'est obligé. Ça fait euh, du ça fait du trois quatre fois par euh, par heure quoi. Ouais, c'est beaucoup. Et toi, tu penses en encore à la mort ou à ça ouais. Est Ah ouais Je pense pas à la mienne. Moi. Moi, je, je pense surtout à la mort de mes proches. Parce que ma propre mort, elle me fait pas peur. Quand on n'est plus là, on n'est plus là. Tu le sais pas. Mais hein. la mort de tes proches, tu le sais. Mais 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 je sais pas. Moi, des fois, je pense à la mienne quand même, et je me dis euh, que. Si je suis plus, si si, est-ce que je vais les voir après, tu vois, de loin Ah, genre euh, la, la vie après la mort Ben bah, je sais pas moi. Mmh. Moi je sais pas je sur cette histoire qu'on a parler de la parce que Amine parce que il vient d'arriver pour nous prendre en photo et Amine qu'on a à parler de la mort est-ce qu'apparemment vous vous de teuhderou sur les triptezes c'est cause de toi tu voilà. es une mauvaise influence dès que toi nous on parle de trucs sérieux mais bah justement vous parlez de trucs de la mort tu es positif Pardon, pardon, je me suis coupé dans votre héritage. Non, mais si. Parce qu'apparemment, Khasnan Khamoufilmout 40 fois par jour. Qu'est-ce qu'il a de belle qui a dit connais <coughs> des. ça Ouais. C'est un hadith. Ah, wesh, zit kasnan, je suis foutu C'est un autre cran là. C'est pas une je, hadith. En fait, c'est des visions. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est des visions. Dans, dans, la, dans la religion musulmane, il y a deux visions. Euh, et euh, tu te rappelles de Enquête en paradis wow. Tu te rappelles de quel film je là, 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 je trouve que le podcast il est en train de prendre un virage. <laughs> J'adore la saison <laughs> 2. Bienvenue dans la saison 2. On bienvenue. commence par avec Alicia. Tu vois. Euh, du coup, je, 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 en fait, il avait, il y a deux, il y a deux concepts dans comment tu vis ta religion. Il y a où tu considères quotidiennement, comme tu le dis. Le mot ça c'est une vision très euh, qui vient du du, du salaf, tu vois, ouais. qui vient des salafistes. C'est-à-dire que tu culpabilises mm. quotidiennement sur ce que tu es en train de faire parce mm. que tu penses à ta mort. Donc mm. tu te dis après la mort, bon, il y a mm. le, jeu, le jour du jugement, etc. Mm. Donc là, euh, tu vas en enfer et tu vas le Et il y a une autre vision donc qui est plutôt positive qui dit que tu dois vivre le présent et tu dois être conquérant dans ta vie, c'est-à-dire à réfléchir de manière à améliorer ta vie améliorer euh, la vie des gens qui sont autour de toi donc les et etc les et etc et je me dis toujours moi j'ai euh, je réfléchis avec les mains qui euh, s'il avait réfléchi à la mort 40 jours je pense pas qu'il aurait fait tout ce qu'il aurait fait <rire> <rire> Ça là, donc euh, il a eu quatre femmes. Euh, le mec, il a conquis il a la moitié femmes. de. Euh, ah, je suis désolé, <laughs> je peux pas aller à Médine. Là, je dois penser à la mort. <rire> <rire> tu vois, donc, euh, donc en fait, le le, le c'était penser à la mort dans le sens où tu considères, c'est-à-dire c'est pour pour quand tu t'oublies dans ton ego à un moment donné, tu voilà. Moi, je vais niquer tout le monde. Mmh. Je vais mettre des satellites autour de la mmh. Terre. Je vais envoyer les gens sur Mars dans trois ans. Elon Musk, tu vois dans ta mmh. tête. Là, il faut peut-être te dire, ah, peut-être que euh, ouais. je vais mourir dans vingt ans, que j'ai fait. Mais, euh, mais du coup, pour revenir à la question, le... effectivement, c'est moi pour l'avoir vécu, c'est beaucoup plus difficile de perdre un proche que de se perdre soi-même. Enfin, je sais pas, mais euh, personne n'est revenu encore de la mort. Mais je pense que ça doit être plus apaisant de mourir que de Bien regarder quelqu'un mourir. Bien sûr. Wow, on est allé loin. <laughs> bah, ça correspond à ta nouvelle barbe. C'est ta barbe qui est en train de changer le... Je t'ai dit, les gars de cette barbe. On est en train de le subir sans zid caisse. Et bientôt, tes spectacles vont devenir pire que ceux de Dieu donné. Donc, il faut pas... <laughs> Donc, euh, euh, donc, euh, du coup, oui, ça, ça partait. Enfin, j'imagine que la discussion a démarré au moment où tu as dit :« Moi, je me suis lancé dans le spectacle parce que j'ai reçu ouais. une très mauvaise nouvelle médicale. Ouais. » euh, Donc, quand t'avais diagnostiqué un cancer, tu te dis :« Foutu pour foutu, je mmh. monte, je fais euh, ce que j'ai toujours voulu ah, faire. » Tout te paraît tellement dé dérisoire. Ouais. À ce quand tu sais que tu peux mourir dans un an ou deux, tout te paraît dérisoire. Et il y avait une espèce de d'exaltation que j'ai jamais ressentie de ma vie à ce moment-là, de surpuissance. Je me sentais flotter au-dessus de tout le monde parce que moi je sais un truc que vous vous savez pas, mmh. c'est que je vais mourir demain et que vous aussi et que rien n'est mmh. important. Mmh. Et du coup ça te donne un sentiment de surpuissance, tout est possible puisque ouais. t'as peur de rien, tout est possible. Et j'ai vraiment adoré ce moment de ma vie, ce moment-là où on me dit que j'ai un début de cancer et entre la biopsie qui me dit que j'ai rien. Euh, que j'ai plus rien. Oh c'était genre un mois, mm -hmm. c'était un mois de ouf quoi. Étais encore un peu dans. Parfois, parfois c'est parti. Hein. Je pensais que je le garderais toute ma vie, mais là, vrai? ça part. Mais parfois j'essaie de me remettre dedans, de repenser à cette période, de me remettre dans cet état d'esprit, mais en vrai ça part. Mais hein. c'est un shoot que tu prends en fait, c'est un shoot ouais, d'énergie. De ouf, c'est incroyable, c'est incroyable. J'aurais jamais. Penser qu'on puisse vivre. Euh... J'étais malheureuse. Il y a des moments où je pleurais parce que je me disais je vais pas voir mes nièces, et je vais pas voir ma nièce grandir et tout. Mais et d'autres moments où euh... ouais mais euh... tout est possible. Ouais, tout est possible. Mais du coup ça t'a permis quand même de te, te lancer, euh, de te lancer ton, ton, un projet à toi, euh, d'être aligné, d'avancer, ah ouais. voyage et tout. Ah ouais, de ouf. Mais Mère nouvelle. Mais en nouvelle. Cancer. Pff, je te conseille. <rire> <rire> Petite biopsie, là. Ah oh ouais. Il moi, a moyen que tu fasses Netflix, euh, Amazon Koukaïn, Prime. C'est le concert, non. <laughs> non, mais c'est, ça serait, c'est super intéressant et je sais pas si, moi, j'ai jamais eu l'occasion euh, encore de te voir, mais du coup, ça me donne vraiment envie de te voir. Bon, je m'en comme tu sais, moi, on a les bonnes je vous êtes des gens bien. Rouh, tu fous, Alicia, à domicile. Malcolm. En plus, je vais à Barbès le 5 octobre. Si tu joues à Barbès le 5 octobre. Ouais, à la scène Barbès. Hein ah, trop ouais. bien. Le Barbès Comedy Club. C'est à domicile. Ah, bah oui, normalement. Le 5, <laughs> ah, ouais, ok. Le 5 octobre, en tout cas, on va le mettre en description. Mm. On va mettre ah, les Ah, mais liens non, de la il ne sera pas publié avant. Il sera pas posté avant. Si. Euh, attends. Bah, il bah, y a... ah. Non. Non. Mais bien après. Peut-être que ce sera on bien te fera, après. On te fera la pub sur nos est réseaux sociaux. Non, mais alors faut tu Non, mais je m'en fous. Adri, Non, je m'en fous. C'est pas, c'est juste, non non mais c est, c est, je veux dire que c'est euh, super intéressant tout ce que tout ce que tu dis et donc euh, en tout cas j'ai pas eu l'occasion de venir te voir mais euh, je trouve que had le sujet et euh, je sais pas si tu le traites non pas encore non je le traitais quand j'ai commencé le stand-up ah, ah d'accord <laughs> et j'ai pris Wad les juffles. ah là là mais non parce que pour pour parler de sujets aussi difficiles qui sont aussi tabous sur scène juste dire oh. le mot cancer uh -huh. c'est la fin des haricots donc, vraiment, il faut avoir une vraie expérience de scène. Ah, d'accord, euh, c'est Des sens. entourloupes. Une expérience des entourloupes et une, une vraie aisance qui te fait pas trembler au moment où tu vois du tremblement. Il faut savoir garder le volant bien serré. Et ça, je le savais pas. Donc, euh... Oui, tu, tu, tu commençais, j'imagine. Ouais. Mais c'est euh, ouais, c'est vrai que c'est. Moi, le seul qui a, tra... qui a parlé du concert de manière super drôle, c'est Diodoné. Il avait déjà 25 ans de scène, quoi. Mmh. Il a un sketch super, ouais, ouais. Drôle, sur... Ouais, super drôle sur le concert. Euh, qui, genre, il l'a fait en oui, 2015, rappelle, tu ça, vois. Ouais. ouais, ouais, il a enfin, ça faisait, ça faisait 20 ans qu'il faisait C'est le concert scène. de son pote, je crois qu'il parlait. Oui, ça, oui, il hein, ouais. parlait de concert de son pote mmh. et tout, ouais. mmh. Mais, euh, mais c'est très intéressant ce que tu dis sur, euh, trouver, euh, la bonne formule. Oui. Pour euh, sortir certains, certains types de sujets. On en parlait là, il y a deux, trois jours à On a pris un café euh, avec une amie à nous. <coughs> et elle voulait parler du terrorisme. Oui dans une espèce de podcast à la guerre des Algériens des la décennie noire que ce soit Lena en France ou le LHK en fait c'est compliqué de le faire pour que tu comprennes parce qu'il y a des sujets qui sont tellement complexes qu'il te faut une acuité artistique une justesse pour pouvoir toucher la sensibilité des gens sinon tu tapes à côté mmh. et quand tu tapes à côté sur des striptease, c'est pas grave mais mmh. quand tu tapes à côté sur quelqu'un qui est concerné par le cancer ou là par par terrorisme ça peut faire très mal mmh. et mmh. la violence du retour va être encore plus va te faire vaciller mmh. et euh, et je prends conscience de plus en plus que euh, on ne peut pas parler de tout euh, mais il y aura toujours un moment où on pourra en parler oui. mais il tu, tu, bah, y a un timing a un précis timing. Et ce timing précis, je pense que je pense que c'est normal vu que tu venais de commencer. Et mm. Tout de suite après, tu Inchallah, on te souhaite que tu auras cette, cette aisance. Et puis c'est de la pratique, c'est c'est l'expérience humaine. C'est en faisant qu'on apprend. Non, en vrai, plus j'ai réfléchi, plus c'est pas un sujet que j'ai pas envie de traiter. J'ai plus envie d'en de, parler sur scène. C'est une espèce de de peur aussi, des sortes de superstitions. Ah. Tu vois que je reprovoque les dieux en faisant ça. Tu vois en rigolant de ça. Bon, chez nous, il y en a un seul. Hein. Ah, écoute, Moi, je crois en plein de choses. <laughs> <Écoute>. là, je <laughs> rigole, je rigole. Les auditeurs de ils sont gentils, mais il y a des limites. <laughs> non, non. Pardon, les DS. <laughs> ah, les C'est vrai, non. Oh c'est magnifique. Ouais, je pense qu'il un peu de superstition, j'ai un peu peur d'en reparler, de ça mais mais ils sont des des amants les quels des sujets les me demandent tu parles d'eux ils sont toujours là le racisme ah ouais le racisme j'en parle pas assez Et à chaque fois que j'essaie d'en parler je me ça marche pas parle-en c'est pas bien ou là là c'est pas bien qu'est-ce qui ne va pas le racisme le racisme ou là là c'est pas bien allez je j'avais avec les dents on y arrive à la conclusion que c'est bien ah bon parce que ça nous enfin ça fait quelque chose de sexy ah bon? Que ça sexy, ah. ça? Ça, fait quelque chose de sexy. On a un truc à raconter. Hein? <laughs> t'es euh, pas banal. T'es pas C'est es. Félix qui Ils disait, c'est Félix qui disait ça. J'adorais cette vanne quand il dit, bah, en soirée. faut ah un ouais. tes petites origines. Je suis japonais, j'adorais. J'adorais cette vanne mmh. quand il disait, il disait, il, disait, il disait, parce qu'il disait que c'est nul quand est juste blanc. Parce que t'as rien à dire. Il dit, en vrai, être un pur sang c'est bien si un cheval tu <laughs> vois on est en et train tu... de citer Félix dans ce podcast mais allez Donc, euh, on va finir par le vite et musclé saison Kinger. 4 saison 4 <laughs> t'aimes bien Félix moi j'aime bien ce qu'il fait enfin, je, les petits, petits trucs de, que j'ai vu sur scène euh, j'aime bien le truc des maths Ouais. Et j'aimais bien le truc de ce que, ce que avais dit tout à l'heure, euh, je crois, oui, que, je je crois Félix, que je l'ai vu. entre parenthèses, on veut l'inviter un jour. C'est parce que, euh, Félix, j'ai rencontré son père. Et son père, ou c'est mm -hmm. un On va vous mettre aussi ses liens, c'est la de Et en fait, et je rencontre son père. Je dis, bah oui. Je dis, mais bien, bien, bien. Je dis, ouais. Et en fait, et on se rend compte, les, la maison de mon grand-père, où j'ai grandi, mm -hmm. donc là, c'est un immeuble, il est en face de là où est né et a grandi le père de Félix. C'est fou. C'est un truc de malade. Un... Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que le, 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 père de Félix, en fait, il, il me parlait différemment. Et même Félix, qu'elle est jamais, j'ai vu mon père, Draka. Ah ouais. Tu vois, genre, des, ah oui, tac, tac. Une autre, un... autre personnalité et ou une autre, autre façon de parler? Quelqu'un d'autre. Il parle non, il parlait pas en arabe, il parle pas en arabe. Il, 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 Déjà l'accent n'était plus le même ah ouais. et en fait et, et à un moment donné Félix il lui dit mais papa, tu, tu parles de ça comment ça tu tu, tu, tu tu es français toi mmh. et je te jure le père de Félix il dit, je ne suis pas français je suis algérien et ce que tu racontes elle est encore mieux Orané !» mais parce que les oranais ou les algériens ont un truc où je suis Orané chez Algérois je suis pas et en fait et tu sais je me suis reconnu un peu dans tu sais parce que on, on a quitté l'Algérie à peu près le même âge avec le père de Félix, tu vois. Ah oui, oui. le même exil. Ouais, bon, peut-être pas dans les mêmes conditions, non. mais, euh, mais peut-être. Je pense que même les siennes étaient plus dures que moi. Après, ça dépend des domaines. Bon, Rwa, Rar, à l'époque, bon, Il bon, Ken, Ken, quoi. Tu sais, genre, il a pas fait d'études, tu vois. C'est. Mais bon, il a, il a réussi sa vie. Il a fait des enfants. Il a, il a. C'est un famille. Arménien, du coup. Non, c'est Yehudi. Mais Djian? Euh, non, khatéga. les c'est, non, ah, c'est, okay. c'est Wahran, c'est le juge, juge. Khalini Kamel, <laughs> c'est le juge. Qui fait c'est le juge? C'est le juge ça. Qui veut vient. dire le juge. Djian. Arrête! Oula. Ah, c'est un nom de famille arabe? Oui, mais bah, déjà, je dis, c'est moi, M'sioud. Non, je crois que c'est un nom de famille hébreu. Ouais, M'sioud, ouais. Ah ouais. Mmh. Mais, mais, Je savais pas, je crois ouais, que c'était ouais. arménien. Non, non, je croyais que c'était des genres des pieds noirs arménien. Non, non, Khat. Ah bon, Kainin Hedou? il okay. y a bien des maltais mais mais c'est pour ça que un petit éclaircissement a parce origines oui le racisme oui ça fait un truc à raconter mais, mais, mais je voulais te raconter une anecdote c'est ne euh, sais plus une fois je, je vannais un mec, un blanc, je lui dis, mec, t'es, t'es nul en vrai, quoi, je dire, si t'es fade. Samat. Mais, ouais, Samat. T'as le droit de dire, <laughs> exactement ça Quel exactement ouais, quel est. Et en fait, donc moi, je lui dis, putain, ouais, y a pas. Et en fait, après, il m'a dit, il m'a dit, toi, tu t'appelles Reda? Mm -hmm. C'est dit qui? Je... Il m'a dit, en Algérie. Dit... Toi aussi, t'es fade. <rire> Grabe. <rire> Grabe. Ah oui, le temps, oui. <laughs> Mais en vrai, en revenant au sujet du racisme, tous les jours, j'ai envie d'être fade, moi aussi, comme tout le monde. Mais grave. De, de, te, reposer. de te reposer. Mais euh, c'est difficile. Quand, surtout quand tu dis euh, que on joue euh, majoritairement devant des publics blancs, parler de, parler de racisme devant eux. Et en plus, les blancs français, c'est pas la même chose que les blancs américains. Ouais. Ont... Les blancs français, ils ont, ils savent même pas qu'ils sont blancs. faut pas leur dire qu'ils sont blancs. Faut... Moi, je suis blanc, moi. <laughs> ça se fait pas. Ils dur... ils mais mais... mais ils... ils, pour eux, ça n'existe pas. Ah, c'est la, couleur. Ah, la Quand catégorie. Ça les... ouais. Quand ça les concerne, la, la couleur n'existe pas. Oui, oui. oui mais euh, Alors que euh... en, 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 en aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair, ce truc. C'est beaucoup plus assumé. White people, black people, la culture des white people. Ici, non. Si tu dis les blancs, déjà juste, tu dis les blancs. Ah ouais. C'est du racisme. Euh, moi j'ai beaucoup de beaucoup de mal avec euh, avec les gens qui traitent le racisme. Euh, je sais pas pourquoi hein, j'ai une gêne euh, parce que euh, je je trouve que par exemple chez les Américains c'est vrai qu'ils sont conscients de ce white et black et tout mais une fois j'ai écouté William Farrell parler en France avec Mouloud Achour et tout et discuter, et il lui dit en fait je trouve qu'en France vous c'est vrai que il n'y a pas cette conscience du, du Black People encore, enfin du Black Power. Il n'est pas encore l'empowerment que il n'est pas encore présent. Mm -hmm. Mais je j'ai l'impression qu'il y a moins de racisme que les gens ont accès à plus de choses par rapport à genre la Louisiane ou au fin fond de l'Iowa. Tu vois ce que je veux dire Parce que lui il venait ou de Boston ou tu vois mm -hmm. où c'est vraiment il y a vraiment un plafond de verre où genre, vraiment les Blacks ne rentrent pas à Wall Street, ne rentrent pas au truc tu vois et qu'il y a vraiment une communauté Black une communauté latino et une communauté blanche, mm. tu vois, et qu'ils s'entraident entre eux, mais que et il leur dit qu'alors qu'en France il y a comme ça communique un peu, euh, c'est ça veut dire qu'en fait je pense que le problème en France il faut pas le traiter en comparaison à d'autres pays parce que ça ça a sa propre histoire et il y a une y a une histoire mais la colonisation, euh, mais surtout euh, on en parle tout le temps avec Reda, il faut qu'on se définisse nous-mêmes par nous-mêmes, tu vois. Il oui, faut plus mais y qu quand même un truc universel, c'est qu'ils sont blancs. Oui, oui, oui. Mais en fait, le truc, c'est que... que. Tout n'est pas comparable, mais ils sont blancs aussi, tu vois. Ah oui, mmh. mais clairement. Mmh. Là, je te parle de, de, du sujet vraiment du, du, du racisme, de définir comment mmh. parler, comment. Mmh. Oui, c'est vrai qu'en termes de dynamique, être euh, arabe en France, c'est pas être noir aux États-Unis. Ça, c'est clair. Mais, euh, je pense qu'Alicia, ce qu'elle dit, elle, elle parle pas des gens qui souffrent. Ça, c'est bien, c'est ouais. clair, net et précis. une souffrance. Ouais. C'est une souffrance, quelle que soit la dynamique, mm. quelle que soit la. Voilà. J'allais faire une vanne, mais je ne vais pas la faire. <laughs> mais pourquoi il y... y avait du Z hein il Non, non, Z non. J'allais dire quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui souffre, dire, quelle que soit la position. Tu on est passé de RTL à France Culture. Vas-y. <laughs> <laughs> Marc Dorcel, frère. Là, on est... <laughs> <laughs> en fait, Alicia, elle parle du fait que le fait que aujourd'hui, le, le par exemple, tu, je sais pas, par exemple, tu dis un, un, un blanc aujourd'hui, tu lui dis, euh, je sais pas, un, tu, déjà le fait de lui dire, dire les blancs, c'est vrai que c'est problématique. ou là, tu lui dis par exemple. Euh, ta couleur ne représente pas un agenda politique, mm -hmm. alors que la mienne, si. Exactement. ce que je te disais sur la barbe tout Exactement. à l'heure, un blanc, il porte une barbe... Je comprends bien. L hia, l hia. Ouais. Voilà, donc tu me la... Ils ont le privilège de la neutralité. Oui, et en fait, et moi, tu sais, généralement, ce que je fais pour expliquer ce concept, tu sais ce que j'explique, mm -hmm. je dis, euh, moi, en Algérie, je suis un blanc. Mm -hmm. Tu vois Oui. Et je, je, je dis, je vais aller encore plus loin. Je mm -hmm. dis, un Sénégalais. Mm -hmm enfin fait, né au Sénégal d'origine sénégalaise tout ce que tu veux mais depuis toujours ici c'est un homme sénégal mm. au Sénégal il est blanc mm. tu vois les gens me disent un noir sénégalais mm. <laughs> et oui mais parce que c'est en termes de statut social mm. c'est pour ça que les gens, ils ont encore du mal à le mmh. à le comprendre, tu vois. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des fois, juste le fait de dire les choses. C'est vrai, des fois, on sort sur scène comme elle souffrait, non Pour nous, tu dois être au courant, vu que oui. tu es responsable de ma souffrance, ça, c'est normal. Oh, amnésique intérieure Tu sais que des fois, je fais des vannes, je fais Oh oh, oh oh, la colonisation Ça vous parle Mais non, mais en vrai, c'est normal que ça leur parle pas. C'est euh, un paragraphe dans les livres d'histoire en seconde. Oui, oui, ça j'ai découvert. C'est un paragraphe. A, ouais. ouais, ouais. Et pendant longtemps, on disait pas la garde d'Algérie on disait les affrontements, les événements. Ouais. <laughs> c'est vrai ça. ça. Les, ouais. Affrontements. Ouais, les affrontements. <laughs> les, les gilets jaunes. Mais, mais toi, est-ce que, je veux dire, j'aimerais bien que tu nous <coughs> racontes vraiment à quel moment t'as senti un blocage, parce que c'est assez paradoxal, parce que tu veux parler de ces sujets-là, tu m'as dit que ton public est Gouer c'est normal que tu puisses pas leur parler de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que de, de c'est normal que que tu puisses pas leur parler de racisme. C'est que... normal que je puisse pas ou que je puisse que tu puisses pas parce ah. que ils on vont pas est... à être en fait. Oui Soit mais fait... oui hmm. mais moi j'ai pas envie de parler de racisme devant les gens comme moi ils le savent. Ouais. Ils savent ce qu'on est en train de vivre. Moi j'ai envie de parler des gens qui peuvent changer les choses qui peuvent à un dîner entendre des trucs racistes et euh... parce que nous les trucs racistes euh, des blancs on les entend pas ils vont jamais les dire devant nous mais eux entre eux ils les disent. Mais, à donc, à force d'entendre notre souffrance et de le dire, peut-être que eux ils vont changer. C'est la même chose, c'est la même dynamique avec les hommes. Quand tu parles aux hommes et que tu leur dis, Dés désamorcez devant de, de, de votre côté. Quand vous entendez des trucs, dites-le. Parce que, entre nous, les meufs, on n'entend pas ce que vous dites. Mais je sais ce qui se passe entre vous. Donc, c'est la même chose, c'est la même dynamique avec les, les blancs. Donc, moi, j'ai vraiment envie de parler de ça. Pas bah, des noirs et des arabes, on sait ce qu'on vit. On oui, sait comment mais, ça se passe. Ouais, mais on fait des blagues, c'est ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour éduquer les gens aussi. Oui, on mais. On est là aussi pour faire on des pas... blagues. Et Bien sûr. C'est cool d'avoir des gens réceptifs. Bien sûr qu'on est là pour faire des blagues, mais euh, moi, je. J'ai. En tout cas, moi, ma vision du stand-up, c'est ma vision à moi, hein, c'est pas celle de tout le monde. Euh, je veux pas faire que des blagues. Je veux aussi passer des messages. C'est vrai? Ouais. Tu sais que moi, j'ai une vision. Très euh, blaguiste pas très blaguiste mais mmh. genre euh, mais c'est la tienne et je le respecte c'est bah, hein, moi c'est ça on envie de faire passer un message euh, oh la... envoie-moi un message <rire> 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 pour, pour pour genre euh, ouais tu vois genre c'est c'est trop laborieux euh, faire un spectacle tu ouais. vois ce que je veux dire mmh. genre après peut-être que toi quand tu dis faire passer un message c'est tu veux dire autre chose est-ce que tu as pour moi, j'ai une, une fois je disais une thèse sur, sur l'humour d'un de, de, gars dans une université canadienne où il a dit l'humour euh, c'est un thermomètre mmh. c'est pas un thermostat il a tu vois il a dit ça te donne la température ça la régule pas ça la change pas mmh. ouais. et je trouvais ça hyper intéressant dans le sens, tu vois, genre, parce que je te dis juste parce que quand j'entends souvent les gens dire, je vais faire passer un message, je veux changer le monde, ils me disent, mmh. mmm, peut-être il y a des choses beaucoup plus, qui, qui changent le monde beaucoup plus facilement que l'humour. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un bon début dans le changement du monde parce que ça révèle quelque chose. Ouais. Mais, mais moi vraiment, je parle de mon expérience euh, personnelle. C'est pour ça que je consi considère le stand-up comme ça, parce que moi personnellement, ça a changé ma vie l'humour. Moi, il y a des choses, des humoristes qui ont changé ma vie, ma, ma perception des choses. On veut savoir, je connais Ricky Gervais. Uh, Ricky Gervais, comment il s'appelle, uh, Eddie, uh, Eddie, uh, uh, Isard, uh, les deux sur la religion. Je m'étendrai pas là-dessus parce qu'il y a quand même les inspecteurs. Oui, non, non, nous pas, Allah Mais ils ont, ils ont considérablement changé euh, ma vision sur les religions, sur la religion. Donc, je me dis, si moi, euh, j'ai pu changer, et c'est exactement ça que je veux. Euh... Ouais, donc, enfin, ils ont. J'ai l'impression, plus, qu'ils ont révélé quelque chose en toi, et après, toi, tu as fait le travail. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Oui, révélé, je sais pas. Hein, ça m'a vraiment fait un truc électrique, quoi. C'est un... vrai Ouais, c'était un choc rappelle de certaines vannes. Oui. Qu'est-ce euh... <laughs> que bah, Vraiment, bah, le, le sketch de l'Arche de Noé de Ricky Gervais. Ouais. Il est où sur quel spectacle Là, On va mettre les liens. C'est Khalim euh... euh, Trois spectacles avant. OK. Trois spectacles avant et euh, il a euh, un grand écran derrière lui et c'est l'arche de Noé qui est dessiné et du coup avec tous les animaux en en, en paire et il imite un corbeau Déjà, il limite. Euh, déjà, il parle de la dynamique qui peut y avoir entre les, les animaux. Il fait mais comment ça se fait que le lion il mange pas l'antilope ça veut rien dire et tout. Et après, il limite euh, un des corbeaux qui doit monter euh, dans l'avion, dans le, dans le bateau. Il arrange, je sais pas comment te limiter. Je me rappelle plus de ce qu'il dit. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça en fait C'est très bizarre quand même la religion en fait. En fait, c'est beaucoup plus drôle. que... Qu'est-ce qu que je pensais okay. <laughs> Voilà et du coup ça a, ça a changé ma perception entièrement sur la religion. Et d'autres trucs de Ricky Gervais aussi. Mais hein. c'est vraiment Ricky Gervais que... je sais pas si tu connais le film The Invention of Lying. Évidemment, j'avais voilà. justement avant que tu te dises, j'allais poser la question. Ça m'a foudroyé ça. Il est incroyable ce ça film. Ça m'a foudroyé quand il est sur le quand sa mère, elle est sur le lit et qu'elle va mourir et, et qu'il se dit bah il faut que j'invente un truc c'est vrai, vrai que c'est une scène euh... tu l'as ah, vu le film Amin non ah bah écoute tu penses que pas mal le <gousse> <t> <a> public je <inaudible> me serre good good luck, good luck. good the invention of Lion, c'est ça the invention of Lion. ouais c'est un super film moi j'ai dû le voir euh, cinq six fois ce film ah, est un... ouais. Ouais, pareil, On a est énormément un de cinéphiles culte. qui nous suivent, Reda. Hein. Ouais, ça, et, beaucoup et, de gens nous écrivent. Il faut inventer. Et dans ce film, il y a Louis C.K. qui joue. Mm. Et il n'était pas du tout connu à l'époque. Ouais. Et c'est drôlissime les scènes qu'il a. Il est... Louis C.K. c'est un grand stand par c'est ça ouais. C'est pas que, pas que. Depuis ben, quelques ouais, années. Pas que, ouais. et Il s'est reconverti dans le, euh, dans Donc... le harcèlement professionnel. Ah. <laughs> ah, D'accord. Et l'exhibition involontaire. Euh le Haj le haj. 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 Haj Il y a Edward Norton qui joue un policier raciste. Oui, c'est vrai. Très ah, beau. bah c'est bon ça, je me suis dit que ce film là me dit quelque chose. Hmm. Daroli déjà. Il est Edouard. incroyable ce oui, film. Oui, est incroyable. Il est tellement bien fait, les, les acteurs sont justes mais en plus il est il est drôle et philosophiquement incroyable. Ah oui, mais c'est du Ricky Gervais pur. C'est euh, incroyable. Ouais. Ah ouais. Et euh... Et, et, et quand t'es quand es rentré, tu, tu nous as parlé de Tarzbetar, euh, dans dans les trucs que tu regardes, parce que tu tu regardais ça quand t'allais chez ta grand-mère. Ouais. Mais c'est pas des trucs que genre, euh, je me dis, euh, tu, comment dire, pas, pour moi c'est pas des trucs où je me dis maintenant, ouais, c'est n'importe quoi, c'est nul ça. Non, pour moi c'est c'est culte aussi Oui, spa. justement. En fait, genre, je je, je 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 sais que voilà, si tu t'es arrêté dessus, c'est que c'est vraiment important pour toi. Ouais. Genre, euh, c est, c est, en, en quoi c'était important? à part la madeleine de ta grand-mère déjà ouais mais surtout ça m'a montré une Algérie que je connais pas et euh, l'Algérie de mes grands-parents de ce qu'ils ont vécu eux que moi je connaissais pas et euh, ma mère un peu aussi mais en vrai ma mère et mes tantes euh, ils ont vécu cette misère là et euh, du coup moi je regardais cette misère là et je la découvrais à la télé mais c'est ce qu'on me racontait et que j'avais pas j'avais pas d'image et je la voyais et du coup vraiment c'était euh, cette série est devenue hyper importante pour moi parce que je voyais la la vie de ma mère et de mes de mes tantes et de mes oncles à la télé quoi et et puis la justesse de de des acteurs enfin le petit il était incroyable Mourad je crois c'est ça Mourad ou là Omar Omar Omar. Omar et Aini la la et les débuts de Biona Ouais. Ouais, c'était son premier ouais. rôle, 17 ouais. ans, 18 ans là. Ouais. Euh non, elle était des... la BO. La BO, je l'écoute, je pleure quoi. C'est vrai ouais. C'est des trucs dont tu aimerais parler dans ton stand-up aussi Plus dans mon mon livre plutôt. J'ai okay. plus envie de lire, d'écrire. En vrai, je j'ai je... commencé à écrire un un livre et je trouve qu'il y a des récits de franco-algériens qui sont pas connus quoi et des récits de l'Algérie qui sont pas assez connus. Je trouve que l'Algérie n'est pas assez connue. On en parle beaucoup, mais en vrai, on connaît rien de l'Algérie. En France, hein On peut ouvrir une petite parenthèse sur euh, la folklorisation de l'Algérie en ce moment et depuis quelques années. <laughs> oui, ouais. <laughs> yeah, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc plus complexe, plus euh, individuel qui n'est pas assez connu. Surtout par le prisme des franco-algériens. Cette expérience-là, elle n'est pas assez connue. Et puis, en vrai, est... je trouve que malheureusement, à cause de la destinée noire, là, là, les franco-algériens ne connaissent pas assez leur pays. quoi Qu'est-ce que tu veux dire à le par prisme individuel bah Au-delà euh, du récit collectif sur l'Algérie, euh, juste c est, c est tes expériences familiales, tu vois, juste ça. c'est le, le truc de, de la grande maison, ça fait partie euh, des récits que j'ai envie de raconter. Voilà c'est-à-dire sans prisme politique ouais. ou religieux engagé ouais. indépend ouais. Ouais. foot tout ça mis de côté quoi ouais. raconte juste euh... ouais bah c'est le rêve de l'état en fait aussi sérieux bah, bah, bien sûr bah, moi c'est le le, le, le c'est 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 mon sujet quoi c'est pour c'est un peu pour ça qu'on qu'on est là c'est un peu je, je, je suis un peu moins énervé ces derniers temps enfin un peu j'essaye de me détacher un peu plus mais j'ai juste euh, je je trouve que je je trouve en tout cas qu'on a un grand manque de subjectivité tout simplement un grand manque de juste de de dire je un an ouais. voilà et de et de de, de donner la légitimité à l'autre aussi tu vois déjà Anaya ça m'a mis beaucoup de temps j'ai mis beaucoup de temps en fait j'ai mis je vais même je vais aller loin j'ai j'ai mis beaucoup de temps à j'ai commencé à... Attends, il faut que je trouve les mots exacts. Là, c'est vraiment un exercice de stand de peur parce que il <coughs> faut trouver la façon avec laquelle tu t'exprimes la chose. J'ai, euh, j'ai fait beaucoup de reproches aux gens parce mmh. qu'ils ne respectaient pas ma subjectivité et je leur ai pardonné quand je me suis rendu compte que je faisais exactement pareil. Mmh. Parce que quand j'ai commencé à me dire, mais attends, mais moi aussi je juge. Moi aussi, je, ouais. je vois des gens faire comme ça. Ils se disent, Ah, j'ai oui. rien. Ah, je suis suis Grave. Et en fait, et à partir de ce moment-là, il y a plein de trucs qui ont, qui ont changé. Mm. Et c'est drôle, dès que, bah, moi, dès que j'ai arrêté de juger les gens. Mais on est tous un peu des inspecteurs. Ah, oui. Oh. Ah, oui. Des ah, inspecteurs mm. aguerris. Mm. Et bien, en fait, tu sais ce qui est drôle, et je le dis très souvent. Hein, euh, le mois de moi quand j'avais 17 ans, il me voit là aujourd'hui, il serait déçu. Ah mais pareil. <laughs> okay, pareil. C'est pas mon épisode, c'est le tien. Je fais savoir pourquoi. <laughs> ah pareil que bah, euh, je pense surtout par rapport à je pense par rapport à la religion surtout quoi. La distance que j'ai par rapport à la religion, je l'avais je l'avais pas à 16 ans à 17 ans. C'était extrêmement extrêmement important pour moi d'avoir la foi. Et je trouve que c'est incroyable d'avoir la foi en vrai. C'est génial d'avoir la foi. Et après, tu fais d'autres choix. Et, et, et en tant qu'Algérienne, comment ils te voit Quoi Parce que moi, je sais que le mois de dix 17 ans, ils ah me disent, je suis Algérienne. Tiens, mais... Je, 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 je... Non, en tant qu'Algérienne, je suis toujours... Ça fier, va ouais. Mais la même Badass. Ah ouais. matrafs Moi, le mien de 17 ans. <laughs> mais attends, que... non, Il je goulirak, pense pas. Je pense les podcasts Alicia. <laughs> mais elle assume même pas. <rire> <rire> mais est-ce que, mais justement, est-ce que euh, euh, le toi de 17 ans, c'était pas quelqu'un qui était euh, droit dans ses bottes et qui disait ce qu'il pense et qui assumait Euh. Je c'est, sois... ouais, je... bah, -ce, qu ce que tu es que... maintenant? Non, T'étais dans je... non. une recherche d'authenticité? Ah, et... Non, le mois de mes 17 ans, c'était un inspecteur aguerri. Le mois de mes 17 ans, je mm. te jure, il te voit sur scène. Mm. Comment il te défonce sur mm. Instagram? <laughs> mais oui, mais, <laughs> mais en vrai, genre, en fait, c'est, il va pas te défoncer parce que il aime pas ce que tu fais ou la quoi que ce soit. Parce, qu parce que c'est comme ça, ouais. parce que, euh, c'est pas comme ça. Oui, qu'il est dans la caverne. Et il y a un truc de, comment collectif. Oui, on, on en a parlé déjà dans le premier épisode où on, on dit, on dit, tout le temps. Ouais. Hna. Ouais. Comme, je le redis encore une fois, que même madame qui te le message sur Instagram, tu dis que tu vois, hashtag. Hm. Gouli, tu vois, hashtag. on le, répète tout le temps, ouais. mais t'as vu le, tu vois, hashtag. Le mois n'est pas assumé. Et en fait, et, et c'est pour ça que je t'ai posé la question et, et ça a résonné en moi. C'est juste parce que dire euh, euh, je. Et on revient à cette question aussi de 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 de, de, de racisme, de discrimination, de d'essentialiser de, les gens. Tu vois, de, de dire que telle personne réfléchit comme ça parce qu'il est algérien. Non, il réfléchit comme ça oui. parce qu'il est comme ça. Exactement. Parce que Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ne m'en voulez pas. Gal <laughs> Ah oui. La... Ouais. <laughs> tu viens de la voir. Ouais, ouais, mais je pense que c'était, je crois que c'était mamie. Et 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 en fait, euh, comment te dire c'est. Et, et et moi je suis en tout cas aujourd'hui dans un truc de de en fait c'est le, le, le collectif n'est c'est pas un bloc. Le collectif c'est un, un ensemble d'individualités. Et pour moi c'est pour moi le discours euh, collectiviste mm. de, 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 je, dit, je, je te le dis je vous le dis maintenant parce que je l'ai dit à un cousin il y a pas longtemps il n'a rien compris. Pour moi c'est le 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 discours le plus colonialiste qui puisse exister. C'est ça non Exactement. Mm. C'est parce que on a toujours été traité, été traité comme un bloc. Hadou. Hadouk. Mm. hadouk, 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 hadouk. je pense qu'on est chez colon mais les autres. Les autres. Voilà. Mm. Et à moment derrière les autres ben en fait, il y, y a, des gens, il y a Alicia, il y a Amin, il y a Kais, il y a Mohamed, il mm. y a Hamida, il y a Slimane, Zoulika, il mm. y a, je sais pas, il y a Khadi. enfin bref, il y en a plein. Et, et je, et je Félix, trouve... parce qu'il y a <laughs> Félix. Qui... <laughs> Félix, l'oral en est sec. Et, euh, et du coup, de quoi ouais, c'est un truc, oui, Je, je sais pas à quel moment ça va se... Je pense que ça va prendre du temps, parce que moi, je pense que, tout ce que tu dis sur le col collectif colonialiste pour moi justement ce collectif là il est tout récent il vient de naître après 62 et euh, du coup on n'a pas encore pris la distance avec ce collectif là il est tout nouveau euh, et, et il va falloir du temps pour prendre de la distance avec le collectif qui vient de naître ouais, mais à mon... dans l'histoire d'un pays oui mais en attendant comme tu as dit on se repose pas parce que c'est quoi un inspecteur mmh. Un inspecteur, c'est un mec qui va vérifier si tu es bien. toujours dans le collectif. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est la que tu as un rail. Tu vas vérifier que ah. les moutons ils sont bien dans le, le truc. Mais parce que lui-même il se rassure aussi. Hein. C'est ah oui, une fonction sûr. rassurante de, de surveiller sûr. les autres, c'est lui-même de se redire je suis, je suis bien avec eux, tout va bien, tout est réglé. Un tout, tout va bien. Bon, il y a rien dans le mais ça m'est J'ai dit à laissez-nous à faire. Eh ah, <laughs> hey, Franchement, elle est drôle, il faut aller la voir. Hein. <laughs> Mais tu sais que j'ai beaucoup plus drôle en, en arabe. Alors que bah ai oui, le sujet noir c'est pour ça que nous... Parce que le mot mreigel, il n'y a que nous qui pouvons le prononcer. Mais commencer. bien sûr, enfin, c'est ce qu'il disait la quand tu. La souplesse qui... de la langue allez, habite, algérienne. Ah, c'est qu ce que je te dis, c'est ce qu'il disait. On veut jouer à domicile. Mais bien sûr, ah, Mais je... tu crois que j'aimerais pas? Allez, comment on fait et tu m'as dit on y arrivera jamais' moi je je, je, moi je je sais pas moi c'est je me pose pas cette question parce que sinon je, je dors plus tu vois euh, j'ai fait ma, ma route et si et si ça, 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 ça s'agrège tant mieux mais j'aimerais bien c'est sûr que j'aimerais bien jouer devant euh, des algériens qui ressemblent à des libanais <rire> <rire> Alors c'était un nouvel épisode de Zitkès. C'était Maasaida, Alicia, Amintoya, Foutnagaya. Foutnagaya, à ne je la connaissais pas. Alicia, d'abord au départ de être sa carrière, que a fait son prénom, on nous a emporté dans des histoires magnifiques. a des choses intimes comme on les veut sur Zitkès, des choses de la révéler, des choses en elle sans, euh, sans non-dit, euh, sans filtre. Et c'est ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, euh, humoriste exceptionnel. On lui souhaite une belle carrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi qui es fan de stand-up et d'humour, euh, j'ai vu que ah. c'est vraiment bizarre. T'as ah. capté, il y a du niveau. il ah, y a du level. Il <laughs> y, y a du, du level. level. Et il y a, y a une, une belle trajectoire en plus. Elle a une vraie écriture, elle a une vraie pensée humoristique. Euh, et puis voilà, je pense. Que... Exactement. Roche, choufouha. Choufouha.

Et le podcast est en train de prendre une nouvelle dimension pour la saison 2. Ah bon Je trouve. Bah écoute, Inch'Allah. On est en train de est moins nerveux. C'est vrai que ça arrive. On sait la route. Oui. Et puis, euh, c'est très important que vous nous écriviez. Communiquez-vous. Communica, communication, comme on dit. Bonsoir à tous. Je vais vous parler. Et je vais vous parler